Le bonjour, euh, rebonjour. Hein, si vous regardez, si vous enchaînez les deux vidéos, hein, parce qu'on en a fait une hier, tout à fait. Bah, comme vous avez vu, on est allé changer hein, entre temps pour faire van euh... Non, en fait, non, on l'a fait vraiment sur deux jours. <rire> <Okay>. <rire> Il y en a qui changent et tout. Euh, voilà, mais <laughs> ouais, c'est bien. Hein, toi, que Superman, moi, Superman, toi, Batman. Ah, hein, voilà, voilà. c'est bien. Ça bien, bien, bien. bien évidemment, moi, donc pour cette vidéo des chroniques de Condor, je suis accompagné de mon copilote. Oh, magnifique. Oh, il est beau celui-là. Noir sur noir, je le kiffe. Ouais. C'est du licra, c'est du coton, c'est quoi C'est du coton. C'est du coton, c'est Zara. Zara Superman, génial. Donc, euh, donc, en tout cas, voilà, mon copilote, euh, mon associé dans le crime, euh, j'ai nommé <laughs> David Rivera d'Actua Ciné. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à Actuaciné, Ciné, Abonnez-vous, super. Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît, abonnez-vous. J'ai plus ah. que 200 abonnés pour arriver au 1K. Ah bon, on va, on va faire ça. Je pense que là, on va passer l'été, est-ce que tu arrives au 1K? Et là, c'est festival après. Euh, c est, c est, voilà. on, on fait la place. Champagne, champagne. Champagne, ouais, c'est ça. Mais en tout cas, en tout cas, voilà, Mais merci hein, de m'accompagner euh, sur ce. Toujours jour, un plaisir. Toujours un plaisir, mon coco. Chronique, surtout que voilà. Euh, L'avantage avec nous, c'est qu'on a les mêmes goûts, mais on n'a pas forcément les mêmes idées. Mais c'est ce qui fait euh, la beauté de, de, de cette émission. Et moi, je, je kiffe là-dessus. Euh, on, a, on a deux regards différents. Toi, un regard plus cinématographique. Moi, moi, beaucoup plus comics. Mais les deux mélangés, ça donne la quintessence. L'union sacrée. L'illusion. Hein <laughs> 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 ça ne marche pas. Moi, ça marche pas. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, en tout cas, voilà, merci d'être là. Donc, on a vu cette première saison. Hein. On va rentrer dans le livre du sujet tout de suite. Va... C'est vrai que bon, la, la première vidéo a hein, duré un petit peu de temps hein, parce qu'il fallait qu'on plante le décor. Là, le décor est déjà planté. Alors, on s'excuse. Hein, il y a des choses on a, dont on a parlé dans la saison 1 qui font partie de la saison 2, mais tout simplement parce que le premier épisode de la saison 2, euh, qui s'appelle Dragon, d'ailleurs. Yes. Euh, le, le premier épisode de la saison 2 euh, devait être le dernier épisode de la saison 1. Euh, effectivement, d'ailleurs, il y, y a une continuité hein, directe. Euh, on voit bien à la fin de l'épisode, de cet épisode, qu'on est à la fin de la saison. Mais je pense qu'ils ont bien joué le coup, du coup, d'ici, là-dessus. Euh, parce que ça nous a laissé à la fin de la saison 1 sur un cliffhanger de malade. Exact. Hein, de, 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 de malade où, justement, on se rend compte que, l'épisode n'était qu'un qu rêve quelque part, n'était qu'une illusion euh, influencée par le démon de Trigon. Et donc effectivement, donc on se retrouve dans ce premier épisode euh, de la saison 2 où, où, où finalement, voilà, hein, on, tout euh, prend du sens, tout se met en place, où justement on voit euh, les protagonistes ben, se sortir, on, on termine l'arc narratif de, de Raven finalement, hein, de Rachel. Hein, de, de, de la petite donc euh, c'est vrai que ce, ce passage de, de la saison 1 à la saison 2 il a été bien négocié par DC euh, en ce qui concerne l'arc narratif il se termine je pense s'ils aurait pu se terminer là en fait s'ils avaient fait une saison juste une euh, euh, une saison de Titan mais ça finissait bien finalement, hein. on, était sur, on était sur une belle petite fin, hein, là avec euh, Donatroy, Troy, euh, l'ancienne équipe, hein, parce que là voilà, on comprend l'ancienne équipe, et, euh, et donc du coup là on s'embarque dans une saison 2, où justement on va en voir plus, on va comprendre comment, euh, à quoi la morts. il y a un épisode qui lui est euh, attitré, on comprend les, les relations, le relationnel et ce qui se passe, et quel est le, le motif de, de, de traumatisme, Hein, vraiment, on va rentrer là dans les détails du sujet. Et surtout, on va... On va... Oui, oui, oui. Et on va voir aussi le développement du personnage qu'on nous, la la... qu nous laisse à la fin de la saison. 1, hein. euh, Donc, dans les locaux de Cadmus, avec ce chien hein, et ce tatouage du, de la maison des L. Hein, euh, le sujet 13, hein. d'ailleurs, c'est comme ça qu'on l'appelle. Qu Hein, c'est le, le sujet 13. Donc toi, qu'est-ce que tu as pensé de, de ce premier épisode Puisque euh, finalement, au lieu de commencer une nouvelle saison quelque part, on va dire qu'il termine la saison 1 et il commence gentiment la saison 2. Qu'est-ce que tu en as oui, pensé Bah c'est ça. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas vraiment un épisode de la saison 2. Pour moi, c'est le final de la saison 1. Mais en termes de communication et, et de voilà de, de pouvoir atteler, euh, je dirais, les spectateurs. Bah, ils ont bien fait de nous terminer ça la saison 1 sur le cliffhanger de l'épisode précédent euh, bon premier épisode que moi je vois forcément hein, comme je viens de le dire je le vois pour la fin de saison donc euh, pour moi la saison 2 commence avec l'épisode 2 <laughs> voilà euh, non mais écoutez euh, quoi, bon, ce qui est, c est, c est bien dans cet, dans, dans cet épisode c'est qu'effectivement il introduit euh, la saison 2 puisque là euh, du coup euh, Dick euh, part avec les enfants les, les plus jeunes la nouvelle équipe des, les, les young titans il part avec les enfants et il va euh, il va directement rejoindre Bruce Wayne c'est on a euh, tout de suite donc une euh, on, on voit Bruce Wayne cette fois-ci on avait vu Batman en costume euh, dans, à, à la fin de la, de la saison 1 et là il va directement au manoir Wayne pour s'entretenir avec Bruce parce que c'est vrai que Bon, toute la narrative de la première saison, on avait ce sentiment que Robin avait une peur farouche de devenir comme Batman, de, de devenir une arme, euh, que, que Batman en avait fait une arme, en fait. Hein. Il, 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 a, il a accès directement euh, à, à son savoir. Donc il se dit, je. je il le dit hein, dans la saison 1. Je, je me suis éloigné parce que je devenais comme lui. Et mmh. d'ailleurs, euh, petite dédicace à mon pote Froggy et à mon pote Mister Road. Mais dans toute la première saison, euh, quand on entend parler de Batman et Robin, que ce soit à la télé ou que ce soit ailleurs, on en parle comme de sociopathes. Ouais. violent et dangereux. Ouais. Donc c'est comme ça que Socio euh, ouais. voilà, exact. voilà. C'est comme ça qu'ils sont euh, qu'ils sont euh, amenés et de fort belles manière, puisque là. Euh, ce qui ce qui faisait la quintessence un petit peu de la saison 1 c'est la violence les combats ça. on voit Robin qui qui éclate ouais. les têtes qui crève des yeux enfin c'est c'est il y, y a beaucoup beaucoup de sang et on comprend que cette noirceur lui a été enseignée par Batman donc du coup effectivement on a tout ce côté là où à la fin de cet épisode Robin va enfin Dick Grayson va voir euh, va voir Bruce Wayne pour un peu sortir sa pilule lui, ça. lui dire voilà euh, euh, et puis on, on en parle souvent, voilà, euh, dans la fin, justement, l'épisode qui est juste avant où on voit Batman, voilà, c'est là on est, on, on est passé du sociopathe psychopathe au serial killer directement, d'accord Et c'est comme ça que l'épisode est amené. Donc effectivement, ce n'était qu'une illusion, on l'a vu dans, à la fin de la bien. saison 1, mais là on va voir, c'est un passage émouvant où on voit euh, Dick finalement euh, venir parler à Batman et dire, malgré la noirceur qui est en moi, en gros, je vois quand même ce que tu as fait de bon pour moi. Mm -hmm. Donc il y, y a ce côté un peu, un peu, euh, euh, voilà, émo, côté émotion. Et justement, Dick vient demander quelque chose à, à Bruce. Bruce lui dit si tu as besoin de quoi que ce soit pour remonter une équipe ou, ou quoi que ce soit, ben il lui dit là justement il lui demande les clés de la, la fameuse tour dont vous a, on vous a parlé. Euh, voilà, euh, la future en fait, tour, c'était là, voilà, là, la Titan Tower, c'était dans cet épisode, mais l'épisode, il est tellement rattaché à la saison 1 qu'on a l'impression, enfin, il faisait partie de la saison 1. Voilà, donc le, là où ça commence vraiment, c'est l'épisode 2, où on rencontre un nouveau personnage, une, une, jeune, une jeune femme donc qui est méta, hein, qui est do dotée de, 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 de pouvoir, euh, qui a l'air asiatique, qui est asiatique, d'ailleurs, on comprendra euh, pourquoi, et qui s'appelle euh, Rose, justement. Euh, donc voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, de cet épisode Alors, oui, l'acteur qui joue Bruce Wayne, euh, parce qu'on vient de dire qu'on a introduit Bruce Wayne, mais on n'a pas vraiment parlé, c'est Yann Glen, hein, qui jouait dans euh, 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 Game of Thrones. Hein, ouais, il... Alors on, là, pour le... bon acteur, hein. non, pour super acteur. Euh, il a un côté. Euh, alors, moi, je ne sais pas la première fois que je l'ai vu, j'avoue, hein, j'ai dit, putain, il ressemble plus à Alfred qu'à Bruce Wayne, quand même. <laughs> <laughs> il est un peu vieux. Il, est un peu vieux hein il a un côté très Adam West dans l'attitude. Ouais, c'est vraiment le, 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 dandy. Ouais. le dandy. Le dandy à l'anglaise. Ouais. Il commence à perdre des cheveux sur le dessus. Tu te dis ouais. merde, ce gars-là. Après, on se rend compte que c'est. Euh, là, ils se sont basés sur un Batman vraiment. On le verra plus tard dans, dans la saison. Mais euh, ils se sont basés sur un Batman qui est vraiment un, 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 art, un martial artiste. Qui est vraiment un. Dans tous les arts du combat et très 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 pointu, très voilà, on est dans quelque chose. Et puis c'est gadgets, hein, c'est vrai que euh, dans la, à la fin de la saison 1, on a vu la Batcave, on a vu une Batmobile plus Muscle Corps, mais on a vu, on a vu, voilà qu'il y, y avait du matos, hein, on, on peut le dire comme ça. Beaucoup de gadgets, des batarangs avec de la fumée, enfin des, de, des trucs de malade. Donc on est sur un Batman qui est moins massif, c'est pas le Batflex, mm -hmm. mais qui n'en reste pas moins euh, violent. Très violent, très précis, très, euh, très arts martiaux. Hein, plus oui, des gommes un peu partout. Alors, tout est mélangé. Mais c'est vrai que là, en fait, dans les chorégraphies, c'est beaucoup plus euh, typé arts martiaux euh, avec des, des plans comme ça en 360 autour des combats. Donc, euh, mais euh, c'est pour mettre aussi une certaine présence, en plus, sur une espèce de, de petit contre-plongée ce qui permet en fait d'apporter de la grandeur à l'écran sur Brosway donc euh, tout à fait tout à fait et c'est vrai que euh, de, 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 de ce côté là voilà on, on a quand même tu vois il est peut-être pas massif mais il est il est vicieux il est méchant il est, il est méchant il est acteur bon il est pas il est pas voilà mais euh, en tout cas il est charismatique voilà oui, très est charismatique c'est sûr qu qu'en qu termes de physique Rien à voir avec le Batman. Ah, on est des... sur du Adam West. On est sur le, le grand et lancé. Je dirais même, même qu'on est sur. Euh, si on regarde un petit peu le, le côté dandy, euh, vestimentaire, etc., on ouais. est comme, euh, comme Val Kilmer dans Batman Forever. Oui, voilà, sur du Val Kilmer. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il ouais. y, y a ce côté un peu vraiment. Euh, voilà, c'est presque britannique. C'est pour ça qui me fait penser à, ouais. à, à, à Alfred. Ouais. Euh, mais on a un Batman réfléchi. Euh, on voit un gars qui, ouais, qui. On est plus dans la psychologie. D'ailleurs, toute cette saison 2 va être sous le, l'égide de la psychologie. Donc, c'est vrai qu'en en termes d'effets spéciaux, en revanche, on voit qu'on est sur de la série, on n'est est pas sur du CW. Mais euh, par exemple, Trigon, euh, voilà, au niveau du CGI, ce c'était pas, pas foufou. Euh, on verra aussi. Par contre, ce que je trouve, en revanche, voilà, Trigon n'est pas terrible. En revanche, euh, quand on regarde les effets spéciaux qui sont autour de Raven, ils sont, ils sont juste sublimes. Ouais, ils sont beaux. Ils sont donc, bien. je pense que sur de la modélisation, ils ont eu du mal. Non, mais on dirait qu'il y a eu deux budgets. <laughs> pas... Ouais, c'est bizarre. Mais, euh, bon, on a un peu le problème aussi sur Superman et Lewis actuellement. Hein. Je veux dire, euh, des fois, on a des épisodes hyper bien faits avec des plans super. Et puis, bon, ouais, c'est ça. Mais, euh, mais c'est vrai que, par exemple, dans cette saison 2, euh, bah Raven, elle est. Voilà, de, de plus en plus, on, on, on sent qu'elle essaie de se raccrocher à quelque chose. Elle est un peu plus. C'est rattra maîtrise de son pouvoir. Mais c'est ça, exactement. Donc, euh, C'est ça qui est intéressant aussi. Euh, pour moi, euh, même dès le départ sur le deuxième épisode, justement, puisqu'on en parlait, euh, on voit que euh, euh, bah, y a, on, on sent qu'il y a des personnages qui vont être un peu plus développés que d'autres, et d'autres qui vont être un peu plus mis en retrait. Tu vois, notamment ouais. la relation entre Dove et. Euh, et Hawk okay, tu vois donc, euh, donc voilà Mais, euh, il doit y je... avoir une, une présence parce qu'il y a le nouveau méchant qui arrive enfin le nouveau oui. méchant le Dr. Light euh, tout vrai. ça bon on, on, on vous spoil <laughs> des trucs sans vous spoiler pour voilà. vous Ouais. Alors, Dr. Light, pas... Vous prenez des bières, vous prenez de la muscu, et vous avez Doctor Light. <laughs> ça. ça, on veut pas, on veut quand même. Vous, si vous avez pas vu la saison, pour ceux, là, on vous remémore pour ceux qui l'ont déjà vu, mais on veut pas trop en dire. Pour le but, c'est vous donner aussi envie de le voir. Hein, c'est ça. Hein, voilà, c'est du demi spoil. Hein, c est c est de... du, du demi spoil. Donc voilà, ils vont, ils vont être ouais. présents là-dessus. Donc euh, la petite rose hein, va être recueillie par Dick Grayson, amenée. Euh, avec l'équipe, donc elle a du mal à s'intégrer, forcément, elle est un peu spéciale, et on, on, comprend, on va comprendre pourquoi après, mais c'est vrai que euh, cette petite, euh, cette petite voilà, donc l'épisode 3, qui s'appelle, lui, Fantôme, euh, nous amène, euh, donc voilà, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Donna et, euh, et Corey, euh, travaillent ensemble. Elles travaillent pour la police ou espèce d'enquêtrice euh, ou euh, détective privée ou chasseuse de primes, enfin peu importe. Elles travaillent toutes les deux et à un moment donné, Cory euh, va, va disparaître. Hein, va, ouais. Elle va rencontrer un beau black. Hein, <laughs> on n'en dit pas plus. Euh, donc voilà, c'est donc, un épisode bon, assez, assez rapide où justement on apprend que la petite Rose est la fille de Deathstroke. D'accord. Et justement, on. on... Yes. Et voilà. Et on sait que c'est Rose Wilson. Donc, euh, voilà. C'est Rose Wilson. Et euh, on apprend donc dans l'épisode d'après que justement, celui qui traumatise. Hein, euh, parce qu'on l'avait vu hein, dans les épisodes précédents, on, on voit qu'il est impliqué de près ou de loin dans ce qui est arrivé au, au, au Titan. Mais là, on est, on est directement. Euh, on est directement dans le vif du sujet. On, on, on a l'épisode 4 qui, donc, est, est, nous, on avait déjà vu, entre-aperçu, suggéré quoilade Mais là, cette fois-ci, euh, on comprend ce qui s'est passé. On comprend qu'il y avait une relation entre Aqualade et, euh, et Donatroy, hein, la Wonder, Girl. Wonder et, Girl. Et là, on comprend que vraiment, il leur a fait la misère. Ouais, complètement. Il leur, a, il leur a fait la misère à un point que, voilà, déjà, la perte de Garth, donc il joue le... Euh, qui est Aqualad. Euh, D'ailleurs, il est joué par euh, Drew Van euh, Acker, Aqualad, et, et euh, c'est un acteur que je connaissais pas. Et a priori, il, a joué, il avait joué dans plein de trucs. Euh, et et j'ai bien aimé son, son personnage. Il était vraiment. Euh, on, a, on, a, on a un gars un peu, un peu baveux, comme on dit au Québec. Tu sais, il, a, il aime bien faire des blagues, et... mais sa relation avec Donna est touchante. Vraiment, euh, vraiment ils ont une relation touchante. Et, et sa mort vient amener une espèce de. de, de, de détonation à l'intérieur des Titans et là on voit c'est là que on voit vraiment Robin vriller ouais, euh, ouais, ouais, on peut le dire comme ça et là il se lance dans une chasse à l'homme euh, contre Deathstroke, Deathstroke et, ouais. et pour se faire euh, et pour se faire il va euh, se rapprocher d'un personnage aussi qui va arriver d'un nouveau héros qui s'appelle Jericho qui a des pouvoirs bien bien spéciaux on va pas trop trop en parler et qui est le fils de Deathstroke. Exactement. Donc Exactement. là, il y a toute la dimension et... psychologique qui rentre en, en jeu. On voit les méthodes de, de Dick Grayson, on voit les méthodes de Robin qui sont finalement celles de Batman, euh, de se rapprocher de la famille, de, de rentrer dans la psychologie à l'intérieur du cocon du, du super vilain Comment toi, tu as senti Moi, vraiment, j'ai senti une oppression qui hein, pendant... ouais. est bonne, hein, qui donne qui donne de la. Bah, en fait, euh, le quatrième la épisode donne le là en fait, sur tout le reste de la saison parce que ouais. euh, en fait euh, tu viens de le dire euh, as le côté en fait euh, en fait le, le mot d'ordre c'est héritage parce que euh, pour moi euh, tu as dit qu'il essaye avec bien sûr tout ce qu'il a appris donc, de Batman donc il y a cet héritage là mais il essaye de faire autrement d'essayer de le faire différemment euh, même à un moment donné, hein, euh, il euh, y a Donna qui demande à Dick euh, pourquoi en fait il a rouvert en fait la, la tour des Titans et ouais. il lui répond euh, je vais le faire mais mieux que ce que c'était fait avant tu vois voilà je vais, le, donc, faire en euh, lieu, je euh, vais le faire, faire à, ma... à ma manière je vais le faire à ma manière et euh, et, et, et c'est pareil il y a ce côté héritage tu vois avec Jericho euh... Voilà, euh, je ne sais pas si je suis spoilé, Non, a, 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 il <laughs> y a un côté, oui, mais on a, que euh, l'équivalent du Mirakuru dans, dans le war hein, il, il a, voilà, il a ouais. été modifié, il a été modifié pour devenir une arme des strokes, et forcément, quand il a eu des enfants, ben il leur, a filé, euh, il leur a filé des pouvoirs. Donc, on a Jericho et on a Rose. On a, on a, on a ouais. les deux. Euh, effectivement, à partir de là, Rose, euh, elle, elle a une vie euh, beaucoup plus dure où elle a été entraînée, où elle a été, tu vois. Alors que Jericho, c'était euh, le petit tatello et surtout qu'il a, oh, oh, a un handicap. On va pas dire lequel, mais il a, il a un handicap. Donc, euh, donc voilà. Donc, c'est vrai et que là, tu, tu, tu le dis. Il y a, il y a un tournant euh, dans cet épisode qui nous montre comment Robin a vrillé, en fait. Avant, euh, avant que euh, il se sait, tout, tout le monde se sépare et que ça, ça finisse vraiment en cacahuète parce que Deathstroke leur met une misère internationale. Hein. C'est ah bah, simple, hein. Jason Todd, alias Robin, euh, qui euh, va se faire. Euh, alors, au départ, sur le Dr. Light, il a un peu le dessus, mais après, euh, Deathstroke, il, il arrive et il se fait démonte. Et ouais, il, il enlève, et justement, euh, Deathstroke va négocier. Euh, il va, il va négocier pour un échange entre Rose, ouais, et, euh, Rose et Jason. Ouais. Et surtout que Jason et Rose, bon, hein, on va dire, il y a un petit rapprochement, tout mignon. Z -Z -Z ah, <laughs> on n'en dit pas plus. Mais, euh, mais c'est vrai que sur ce, sur ce plan-là, cette saison, moi, elle m'a passionné, justement dans ce. Euh, dans cette profondeur, parce que on, ce qu'on vous a pas dit, on va pas tout vous spoiler, mais on va vous le dire quand même. Robin euh, décide de ne plus être Robin, il brûle son costume. C'est ça. Un on moment que, donné, on, voilà, à ce moment-là, on sait. On, on, sait. sait que, on sait que voilà, justement, cette discussion avec Donald, la discussion dont tu parles, où il dit Je vais devenir autre chose, mais je sais pas quoi encore. C'est ça. On avance. Hein, on est, euh, on, 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 on est dans, dans quelque chose, surtout que. Le fait que Jason se fasse enlever, donc ça c'est dans l'épisode 5 des Stroke, le fait que Jason se fasse enlever, forcément, ça réveille des choses. Hein. Ça va réveiller des trucs, ça va, euh, ça va amener beaucoup de, 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 de choses dans, dans, le, dans les personnages Robin. Hein, parce qu'on sait maintenant que dans la saison 3, on va avoir un autre Robin. Hein, et on sait que, que voilà, on ne dit pas. On ne bon, va pas, ah, on va pas ouais, tous les. Mais, euh, mais donc, voilà. Donc, ça, 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 donne, ça donne ce sentiment. Euh, juste, justement, dans, dans, les, euh, dans les interactions qu'il y a entre les personnages à ce moment-là, on sent le traumatisme d'Aqualade. On sent que, voilà, ça y est, tu nous embarques. Hein, tu nous as encore embarqué dans ta mère, Tu nous embarques encore dans tes délires. Euh, et on sent qu'il y a quelque chose qui est caché aux autres membres que Robin ne dit pas aux autres membres, d'accord Et ça, ça fait un peu outil... toute la psychologie de cette saison 2... c'est qu'il y a un secret, il y a un truc qui ne leur dit pas et qui n'est pas prêt à leur dire, et on, on comprendra ensuite pourquoi. Ah, ouais. des mmh. vrilles, en fait, ouais. hein, on, a, on a une raison valide et que finalement tout ce qui est arrivé, ben c'est à cause de, de certaines méthodes batmanesques, hein. Euh, <laughs> à ce, ce moment-là. Donc ensuite. Ah, mais, mais en fait, c'est là que tu vois que, que même Bruce Wayne, tout ça, il, il, en fait, ils sont pas ils sont pas euh, ils sont pas propres, tu vois. Donc de euh, mm -hmm. toute façon, cet cet univers hein, dans lequel évoluent tous les personnages de Titan, les, dans l'arc voilà, batmanesque, etc., on sent que euh, tout le monde n'est pas rose, tout le monde a du sang sur les mains, euh, que ce soit en termes de méthode, euh, tu vois, euh, vraiment très, très peu orthodoxe, voire des fois limite. Mais c'est un peu aussi euh, la trame euh, de Batman à l'origine, c'est toujours ne pas franchir la ligne, mais toujours sur la limite de la limite de choses, tu vois. Oui, tout pas. à fait, tout à fait. Et là, on est on, on est dans, dans le côté, justement, je rends la justice, Batman, il a un code. Il a, ouais. il a réellement un code qui, qui, qui est important. D'ailleurs, dans l'épisode 7, on... on navigue entre les épisodes, hein. désolé les gens, mais euh, où vraiment on voit, euh, on, a, on a cet épisode par rapport à, à Bruce Wayne, on a euh, Bruce Wayne rencontre les filles dans un. Oui, tu voulais dire quelque chose Oui, d'ailleurs, euh, bah, c'est ça qui est bien, c'est qu'à chaque épisode, tu as le nom du personnage. Donc, oui, oui à chaque fois, On oui. va se concentrer, et ça, c'est. On le redit, hein, parce que mais je trouve ça génial. Les deux premières saisons, et c'est pour ça que j'ai hâte de voir la troisième, on dirait que c'est on plante juste le décor. C'est-à-dire ouais. que on met un arc narratif, tu vois, on met, on met un fil conducteur. Le premier fil conducteur, bah, c'était Raven. Le deuxième fil conducteur, c'est ce qui s'est passé entre Robin et Deathstroke. Donc il, avec la famille, avec tout ça, avec euh, tout ce qu'il en est, et, parce que Deathstroke, il a toujours euh, Wade, il a toujours ce côté, tu vois, c'est un gros méchant, mais c'est un père de famille, c'est un gars, il est droit. Il, a, tu sais, il y a une espèce de dire, mais putain, mais en fait, ce gars-là, il aurait pu être un super-héros de malade et ça a mal tourné. Ça a mal tu tourné, tourné Il y a quelque ouais, chose ouais. Qui, a, qui a mal tourné. Donc, ils nous font une pause à un moment donné où là, on se concentre. Et c'est là que, que je trouve la saison 2 hyper intéressante parce que forcément, moi, je hein, représente DS. On va directement sur euh, Connor Kent, qui va devenir Connor Kent. On voit ce personnage et on a euh, un peu euh, son épisode d'origine à lui, où justement, euh, bon, on sait qu'il est un clone de Superman et ah, de Lex Luthor. Donc il s'échappe. Là, on voit ce qui s'est passé le jour où il s'est échappé de cette. Euh de cet entrepôt de Cadmus. Euh, effectivement, il, avait comme, il a comme des souvenirs, il a comme des choses qui viennent de ses clones, en fait. Hein. Euh, il voit cette cape rouge qui flotte, il voit, il voit plein de choses. Euh, et finalement, il est, euh, il est un peu perturbé, <laughs> il est un peu bêta. Mais par contre, l'acteur, hein, l'acteur, là je vous le mets à l'écran, l'acteur qui joue Superboy, <laughs> et dans deux ans, il peut faire Superman tranquille, le mec. Hein. Ah ouais, ouais, non, c'est un bestiau. Hein. C'est un bestiau. Hein, ah, c'est un fermier il a, du camp. Il a, il a, il a un, un mi-côté Brandon euh, Roux et mi-côté oh, oui. Wedding, je trouve. Tu vois oui, oui, c'est ça. Et, 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 mais justement, justement à, grâce à ses souvenirs, il s'en va, il, il part dans le Kansas. Et là, on se dit, bon, ben, bah, il va aller à la ferme Kent. Tu vois? Ouais. Et non, il va à la ferme Luthor. Et là, il tombe sur euh, Papa Luthor, le grand-père, qui est complètement est ravagé. Donc déjà, là, on est sur une version euh, de l'histoire de Superman où l'ex-Luthor et Clark Kent ont coexisté, la même qu'il y avait dans Smallville, la même qu'il y a dans Birthright, la même qu'il y a dans beaucoup d'arc narratifs de, des comics. Donc ils ont pris ce, ce parti-là, hein, que c'est un Clark et un Lex qui ont grandi ensemble, euh, disons, euh, à Smallville, donc, dans le podcast. Donc ça c'est intéressant parce qu'il a été attiré par son côté luthorien, plus que par son côté Kent. Et donc, et donc du coup, bon là, Cadmus... Euh, lui tombe dessus, euh, il se passe, euh, voilà, il y a une espèce de, de, de combat euh, qui, voilà, et il est récupéré, euh, il est récupéré, on ne vous raconte pas tout, mais il est récupéré et ramené à la tour des titans. Où justement il est extrêmement il est entre la vie et la mort, il y a des choses qui vont se passer. Raven va essayer de le guérir parce qu'elle a les pouvoirs de guérison. Et voilà, on n'en dit pas plus, hein, sur, euh, parce qu'il nous reste cinq minutes. On s'était dit qu'on faisait 30 minutes. Euh, <laughs> donc, euh, donc voilà, donc on a, on, on a euh, aussi un épisode qui nous explique l'histoire de ce qui s'est passé avec Jericho. Le oui. pouvoir de Jericho est vraiment spécial puisqu'il crée des liens aussi, un peu comme Raven. Il crée des bounds. Il arrive à rentrer, à posséder des corps en fait, finalement en fait tu vois euh... et il arrive il arrive à un moment donné à, à prendre alors il a son handicap mais par contre quand il prend les corps des gens il n'a plus l'handicap il il y a, il y a, une, il y a une, une scène très très drôle où il prend le corps de hank et il le fait danser mais et plus, Cette, euh, surtout quand on voit l'acteur hein, qui, euh, qui joue Hank et tout, il est, il est massif. Hein, on, on vous en a parlé dans la première saison. Euh, et il le fait danser et même, même euh, Dove. Hein, et elle est euh, elle est surprise. Euh, donc voilà. Donc c'est vrai que ce couple là, hein, il a aussi, il est un peu plus en retrait, mais il a quand même un rôle central puisque à la fin de la saison, ils se sont retirés, ils sont partis vivre à la campagne. Mais on voit que finalement, c'est Dove qui voulait prendre sa retraite. Et on verra finalement que c'est elle qui, qui reprend du service parce que ça lui manque hein, finalement, l'adrénaline, tout ça. Donc c'est drôle qu'il ces moments-là parce qu'on sent qu'il y a une tension dans le couple. Mais c'est drôle aussi qu'on ait ces moments-là justement où euh, on voit Hank un petit peu moins tendu. Parce qu'on va dire qu'il a la testo le mec. Hein. Ouais, 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 il est tendu du string. Il, mais, euh, mais ouais, ouais, puis c'est dans Jericho aussi. On veut. Eh ben, on voit qu'à qu ce moment-là, en fait, bah, s'intègre de plus en plus avec les titans. Il y a une vraie fraternité qui commence à se mettre en place. C'est ça. C'est et, 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 et... lui qui dit qu'il doit faire un choix. Parce que lui, il est partagé entre ce qu'il est en train de monter avec l'équipe et sa ouais. notion de vengeance, en fait. Ben surtout qu'il est, il est en train, on, on peut le dire, il est en train d'utiliser le, le, le jeune Jéricho. Pouvoir se rapprocher de, de la psychologie et, parce que Géricault, il aime son père, il essaye d'avoir une relation avec son père, justement. Et, et là, il, il va se rendre compte de ce qui se passe. Et, et finalement, c'est vrai que dans ce qui va se passer, parce que le pouvoir de Jéricho va servir à un moment donné, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Il y, a, il y a toute une tension parce que, euh, effectivement, euh, il y a des choses qui vont se passer. Ça va partir vraiment, vraiment, vraiment en sucette. On a. Le jeune Robin, hein, le jeune Robin. Alors le jeune Robin, le Jason Todd, il est, il est chiant. Oh, on peut dire le truc. Il ah est bah, Même comme dans le comic, c'est-à-dire c'est le plus relou de tous les Robins. Hein, il clairement. est relou, mais il est super attachant. Tu t'attaches oui. au personnage, tu as envie de le protéger, tu as envie de t'en occuper. Il est relou, hein. Ah. Mais... Bah, surtout que Jason Todd, on sait après le destin qu'il va avoir. Donc euh, j'ai envie de te dire, euh, forcément... Euh, tu es obligé de t'attacher parce qu'il est agaçant, parce qu'il est un peu tête brûlée. Il a, il, des fois, il en fait qu'un peu ce casse tête Il a son caractère, mais c'est normal. C'est pas un Tim Drake, c'est pas un Dick Grayson. C'est à dire qu'il n'a il, il pas eu du tout eu la même, euh, euh, comment dirais-je, euh, bah la même éducation, tout simplement. Hein, tu vois, de départ, euh, les origines de chaque Robin sont complètement différents, mais c'est vrai que lui, euh, pff, bah, bah, bon, oui. C'est pour ça que ça va être intéressant euh, parce que la saison 3 a un intérêt euh, très important. Ah, oui, dans, ah oui, là, là, là c'est un truc de fou parce que ouais. euh, dans la saison 3, on va voir la nouvelle team, on va voir que là. Parce que comme tu disais dans la première saison, allez, on se regroupe. Non, oui, mais non. Là, non, là, il n'y a, a plus de soucis. Il y a un des personnages, mais le personnage de The Beast qui va, qui va être manipulé, qui va se retourner. Il y a des choses qui vont se passer, qui vont... Qui vont ressouder le groupe. Hein. À un moment donné, mais, euh, dans l'épisode 9, euh, Dick va balancer son secret. Il va, il va dire ce qu'il a fait par rapport euh, à Jericho. Donc, euh, ben, les, les anciens titans, ils ont dit bah, Tu t'es foutu de notre gueule, on a perdu euh, Aqualad et tout euh, à cause de toi. Alors, on sent fou... y a une confiance qui est un peu. Tu vois, qui est un peu... Voilà, ça va se, le groupe va se, va se déchirer à ce moment-là. Donc là, on a, on a un Dick Grayson qui, qui s'auto-punit. À un moment donné, il se il se livre même euh, ouais, à il... la police. Ouais, euh, re... Il va se retrouver en prison euh, avec des latinos et tout. Et là, ouais, ouais. et là justement dans cette prison, c'est là que va se construire le personnage qu'on attendait tous quand on regarde les Titans et quand on sait vers quoi devait, devait évoluer Robin. Et on a des origines de légendes d'Amérique latine que moi je pourrais vous retrouver et certainement je ferai un Z sérieux sur ces légendes euh, sur euh, ce fameux oiseau de nuit, hein, c'est les ailes de la nuit, ce, ce condor bleu mm -hmm. et qui justement va dessiner le personnage Nightwing qu'on va voir, euh, qu'on verra donc dans le dernier épisode. Ouais c'est ça. 13e épisode. 13e euh... épisode, là, euh, voilà. Alors, donc, on, on vous laisse tout l'arc narratif avec euh, Deathstroke, les combats, les trucs euh, comme ça. Et effectivement, on va voir dans le dernier épisode, d'ailleurs, avec son nouveau costume, qui n'est pas si mal que ça. Non, mais est, moi, est... Mais je regrette juste qu'on ne le voit pas assez, pour moi. Enfin, euh, voilà. Il, il arrive un peu, tu vois, quasiment, on va dire… Parce à l'a fin ben, on, on va le voir pendant toute la saison 3. C'est ça, c'est voilà, ça, ça, ça. Hein. ça qui est bien. Est ça mais c'est euh, en fait, comme on nous l'avait teasé dès… Que, que, que Dick brûle son costume, tu sais qu'il va se transformer en Nate. Donc après, tu as toute la... Alors c'est bien parce que ça laisse la place aussi à, à la libération de l'éditeur narratif des autres personnages. Oui, tout à fait. Euh, parce que par exemple, le Superboy, on, on le voit qui, en anglais, on dit... Il, voilà C'est lui qui retire son épingle du jeu euh, carrément dans cette saison. Hein, et on sûr. voit son côté héroïque supermanien parce qu'il se demande est-ce que je suis méchant comme l'ex-Luthor, est-ce que je suis... C'est ça. Et il, ça. A, il, a des actes, il a des actes héroïques qui, qui montrent que finalement, il, il, est, il est un Superman en, en devenir. Ouais. Donc effectivement, et, et c'est vrai que là, de voir la team réunie à la fin. Et puis qu'ils aient, ils aient réussi à, à intégrer Crypto. Le pauvre, il charge aussi un peu le, le cabot. Mais qu'ils euh, mais aient, qu aient réussi à intégrer Crypto de façon cohérente. Parce qu'il faut, faut le mettre, le chien, au milieu d'un groupe de super-héros. En fait, sincèrement, euh, sincèrement on, est, on est dans quelque chose de bien. Donc voilà, on ne va pas vous en dire plus au niveau de la saison 2. On a fait une petite revue… Euh, euh, pour les gens euh, pour vous remémorer ce qui, qui s'est passé on vous a laissé assez de suspense les autres pour que vous regardiez parce qu'il y a vraiment des, des twists il y a des trucs de malade dans cette saison 2 euh, qui nous amène. voilà c'était une petite chronique sur la la, 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 la la saison 2 et la saison 1 alors si on, on devait euh, justement résumer saison 1 saison 2 euh, pour toi euh, on reste quand même sur la meilleure euh, série DC Comics. Oui, oui, clairement. Parce que les gens, il euh... y a des gens qui parlent de Doom Patrol. Alors, j'ai jamais regardé Doom Patrol. Je sais même pas si le Doom Patrol qu'on voit dans la saison 1 a un rapport avec. Euh, avec, je suis même pas sûr. Euh, mais en tout cas, euh, en tout cas, voilà, Berlanti nous a sorti euh, une série qui aurait pu être une série CW. C'est extrêmement violent. C'est ça. Le mot qui revient sur les deux saisons, c'est violence. C'est dark. Les gens qui aiment le dark, hein, ils sont contents. Mais les gens qui aiment le light, ils sont contents aussi parce qu'on a Superboy, on a Wonder Girl, on a, hein, on a le lasso. Bon, bien évidemment, ça finit sur un petit drame, mais on n'en dit pas plus. On dit rien. Euh, la saison 2, hein, on vous laisse découvrir, pour ceux qui n'ont pas découvert. Mais, euh, mais donc voilà. C'est bien, c'est que ce c'est pas vraiment à chaque fois du happy end. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans, dans, dans ce, ce darkness to vois world de, 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 de cette série. Ils ont mmh. vraiment mis l'accent là-dessus. Ils ont pris ce choix et, et quelque part euh, artistique de, de, de faire différemment en fait, des autres. C'est pour ça que d'ailleurs que la série est, est diffusée sur HBO en fait, euh, aux États-Unis. Hein. Elle n'est pas ouais, sur ouais. nous ou autre. Ça, chez, ouais. nous, chez nous, vous pouvez la retrouver sur Netflix euh, saison 1 et 2. Et 2, euh, euh, oui. Euh, voilà, pour ceux qui, qui ont Netflix. Et la version française n'est pas si mal j'ai mmh. regardé quelques épisodes moi j'ai tout vu en VO à la base euh, ouais, la française, ouais. on n'a pas le fuck Batman on a Batman dans la merde okay. <laughs> mais bon à peu près pareil mal, euh, ouais, ouais, ouais. Euh, moi j'aurais fait Batman Nick sa mère mais... Ouais. Mais, euh, mais, mais le truc le truc c'est ça quoi c'est résumé respect oui respect de l'iconographie d'ici donc c'est pour ça que je ne veux plus entendre c'est pas possible d'adapter à l'écran euh, là euh, entre cette série et la Snyder Cut, on a un respect total, gigantesque des personnages. Ouais. Monstrueux. Après, effectivement, on peut critiquer une certaine, euh, peut-être un manque de budget par épisode ou, ou des spéciaux peut-être un peu en déclin ou des choses comme ça. Mais effectivement, respect d'abord euh, de l'iconographie et des. Moi, je trouve que c'est bien shooté. Après, je ne suis pas un connaisseur en cinéma, mais je trouve que c'est super bien filmé. Ah non, en général, c'est voilà. bien filmé. Hein. C'est ouais, ouais. juste qu'il y a euh, sur certains. Les effets spéciaux, ouais, ouais, voilà. les ah, effets voilà. spéciaux ça, des fois, sur Trigon, c'est un peu lourd. Voilà, mais ça, c'est la problématique, on va dire, quand on sait qu'une saison comme ça a un, a un budget global, on va ouais. dire. Hein. Voilà, ce n'est pas Game of Thrones. Il hein. faut qu'on se, ouais, ouais. se rappelle, hein. ce n'est pas Game of Thrones à 200 millions de dollars de budget. Hein. Attention. Donc forcément, mais en tout cas, euh, ça vaut le coup d'œil et euh, oui, c'est. Les combats là. sont badass. En fait, le, en fait, envie de leur pardonner même. Le côté CGI, le, le côté. Euh... Bah, J'ai envie de te dire, c'est comme tout. Hein. Si tu leur donnes plus de budget. Je pense que forcément, ils peuvent faire que des miracles, hein, tu vois, en matière d'effets spéciaux et de trucs comme ça. Quoi. Non, mais tout, tout à fait, parce que bon, ouais. y a, y a, on n'en a pas parlé, mais il y a un arc sous-jacent avec l'exclutor et Cadmus aussi qui essaye de récupérer le sujet 13 pour en faire une arme. Le sujet 13, c'est Superboy. Ouais. Et tout ça. Et c'est vrai que euh, les effets sur les armes, les trucs comme ça, des fois, c'est un peu... Bon, allez, c'est du vu et du revu. Mais franchement, on va leur pardonner parce que tout le reste est tellement. Le scén les scénarios, Franchement, le scénario Tout de l'arc sur Death Jericho. Tu vois, j'ai l'impression que euh, le film du Bad Fleck allait s'inspirer de cette psychose. Parce qu'il te met la chiasse Death dans ce. Dans, dans, ah, dans, oui, dans, oui, oui, hein. oui. Il y a une espèce de tu te dis, mais comment ils vont s'en sortir Le mec, il a dix coups d'avance. C'est un maître. Euh, Déjà, on, sur le plan de vue psychologique, et c'est un tireur d'élite, c'est un, un soldat, euh, un, 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 un comment dire Destroc euh, des ouais. égale l'art de la guerre. Ah oui, c'est ça. C'est exactement philosophique. Ah oui, oui, là, on est sur du Shunzou, on est, est d'accord. Ah, oui, oui. Ah oui, ah, oui on, on est, est d'accord, et c'est vraiment l'art de la guerre, c'est d'abord tu détruis psychologiquement ton adversaire, et après tu vas l'achever, quoi. Et si vous voulez connaître d'ailleurs un peu plus sur, euh, sur Destroke, si vous voulez pas forcément lire des comics, il y a un animé qui est sorti qui s'appelle Knight and Dragons, mm -hmm. euh, qui est excellent, qui est hyper violent, mais oui. de ouf. Et, et moi, ça m'a permis de. Moi, Destroke, c'est déjà un, un, un perso que j'aime bien, hein, j'adore. Mais, mais ce, cet animé centré sur lui est juste génial. Donc, je vous invite à le regarder en plus de cette saison, comme ça, au moins. De, de mais voir. tu vois que ce soit les deadstrokes ou que ce soit les euh, les deadshots euh, ces personnages là ce sont des mercenaires mais oui tu vois vrai. donc à la base ils ont battent les couilles des tenants et des aboutissants ah, eux oui, à la base oui. c'est des mercenaires tu vois vrai. mais là là il a pris perso parce que on s'est attaqué à sa famille quoi c'est ça Le robin il a vraiment déconné il a il, et là, il a un oui, et, et euh, bah ça comme la scène de la Snyder Cut à la fin où à un moment donné euh... Alex Tutor qui dit Vous faites dans le bénévolat, monsieur Wilson. Tu vois oh ouais, c'est Il dit Non, là, c'est personnel. Là, là c'est personnel. Mais oui, mais carrément. Ouais. carrément. Et, euh, et du coup, je, je pense que Jeff euh, Jones, euh, quand ils ont commencé à travailler sur euh, le film du Batfleck et qu'ils sont partis là-dessus, ben, ouais, hein, parce que franchement, euh, le côté sociopathe euh, et toute cette psychologie euh, dans laquelle. Justement, Robin ne veut pas tomber. Et si tu veux, on a cette image du phénix ou du condor. Je ne sais pas si c'est un phénix ou un condor bleu qui renaît de ses, ouais, cendres. Est renaît de ses cendres. et Nightwing, finalement, ça devient voilà. J'ai d'autres méthodes. Je ne tombe plus dans le côté psychopathe. Je ne tombe plus dans le côté sociopathe. Je deviens autre chose pour pouvoir renaître en fait. Et il Exactement. renaît en Nightwing avec d'autres méthodes plus héroïques. Bon, j'espère que ça va pas enlever le côté un peu euh, punchy hein, qui nous fasse pas une arrow 2 euh, parce ouais. que arrow c'est passé une fois qu'il il, il, il a, il a rencontré Felicity Bonbase. C'était dans quel film, là Felicity Bonbase, Je sais plus. Enfin fait, quoi, quand il se met avec Felicity, il se, se ramollit un peu. Quoi. Ah ouais, On non. a, ça on a, fait on a ça. la team Arrow, après, LGBT. Après, ça part en CW Teen. Oui, ouais, ouais c'est ça. ça, ça, ça. Mais en tout cas, j'espère que dans la saison 3, nous euh, prévoit de belles surprises et, et surtout… Ben, ça sent bon parce que quand on regarde le casting, on voit ouais. les personnages qui vont être intégrés. On ne dit rien. On dit mais rien, je... mais après, c'est vrai que euh, on sait que voilà, les personnages qui ont intégré, j'espère, sincèrement, j'espère, ça serait trop bien, mais que, que, que Bat soit là. Quoi. Ben oui, carrément, mais, mais, mais surtout, c'est ça, c'est que tu as vu, ils ont réussi à intégrer les univers, que ce soit l'univers euh, kryptonien, métropolis, l'univers euh, des Amazones, parce que vous allez voir les épisodes avec les Amazones, ils sont magnifiques. Ouais. Euh, euh, ils ont réussi et, et c'est là, tu vois, que souvent on dit ouais mais ouais mais c'est compliqué. Non, ils ont réussi à intégrer dans une série, tu vois, peut-être à la base qui semblerait être pour un public de niche, à tout intégrer, tout intégrer. Chaque épisode est un arc. Il euh, y a un arc narratif commun, mais chaque épisode est une présentation d'un personnage, d'un univers d'ici. Euh, quasiment, la série pourrait servir de manifeste pour euh, se dire ah ben tiens ça c'est ça. Oui ça j'ai vu. Tu vois mais c'est juste c'est juste malade c'est juste moi là-dessus j'ai euh, vraiment adoré et, et c'est vrai qu'on a envie de voir plus de Batman euh, bon l'acteur il va commencer à être vieux là euh, <laughs> Alfred Wayne euh, mais, euh, mais en tout cas il est tellement classe il joue tellement bien il est tellement un bon Bruce Wayne même les scènes où justement il se bat avec euh, il y a une scène où il n'est pas en Batman mais il se bat avec euh, Robin je pense que c'est encore dans un délire psychologique. Oui, c'est quand il a une espèce de virus, là, je ne sais pas quoi. Oui, voilà, c'est dans un autre délire psychologique. Voilà, tu te dis, ouais, c'est un Batman slick, en fait. Tu vois, ce n'est pas un buff comme Batfleck. Après, c'est son armure qui va faire qu'il fait un peu. Oui, après, je ne sais plus c'était dans quel Batman qui disait 90% de Batman, c'est son costume. Et les 10% qui restent, c'est l'intelligence de Bruce Wayne. Tu vois donc euh, donc effectivement, euh, si, temps on, temps. si on met tout sur le costume, on, on peut récupérer le personnage sans problème. Oui, ouais, complètement, complètement d'accord. Eh ben voilà, mon David. Hein, je pense qu'on euh, est prêt pour la saison 3, du coup. Hein yeah donc ça, je, on va, je vais le balancer sur la chaîne Geekology euh, très bientôt. Hein, voilà, donc vous l'aurez, euh, je pense, à une semaine d'intervalle avant la, euh, la, sortie, euh, la sortie des trois épisodes. Euh, je pense que c'est la semaine prochaine d'ailleurs c'est le 15 bah, c'est le 17 juillet 17 juillet ouais. donc c'est la ouais. semaine prochaine ouais. donc euh, je vais uploader la saison 1 là euh, certainement cette semaine la saison 2 la semaine prochaine comme ça vous serez prêt pour accueillir la saison 3 et vous binge watcher les deux saisons comme je vais le faire avant que la saison 3 commence parce que là j'ai commencé à regarder 2-3 épisodes j'étais déjà au taquet <laughs> vous ne me rappelez pas à quel point je m'étais laissé immerger dans le truc hein. ah ouais, ouais. Non, mais. c'est vraiment la meilleure série d'ici comics il n'y a, a pas mieux. Il n'y a, ah, a, oui. a pas, y a y a coup, pas eu mieux. Il n'y a pas mieux. Ouais. Non, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Voilà. Oui, certainement pas l'époque CW qui, à une époque, était le, le top. Hein, on va ah, pas se mentir. C'était le top, hein, bien sûr. À une époque, c'était le top avant qu'il y ait les séries Marvel qui arrivent avec voilà, un côté beaucoup plus sombre. Mais je pense que DC a tout à gagner à, à jouer sur la, la carte mature comme ça. Parce qu'à chaque fois qu'ils le font, c'est énorme. Ben ouais, mais voilà, c'est toujours le débat sans fin. Hein. C'est-à-dire. Ouais. Là, clairement, euh, écoute, de toute façon, on verra bien. Euh, on sait que… Voilà, euh, on a appris aujourd'hui que, que Marvel et DC ne seraient pas comme icônes de San Diego. Bon, ils se réservent euh, leur… Leur, leur fandom, hein. oui, oui, bien euh, sûr. leur propre convention, Dieu. maintenant. J'ai envie oh, de ouais. te dire, malheureusement, j'ai envie de te dire que euh, euh, l'avenir de, de ces conventions, euh, pour moi, dans le futur, est incertain. Quoi. Parce que si tout le monde fait une convention… Euh, Ouais, euh, J'ai je, 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 l'impression qu'ils ne veulent plus être mélangés. Donc le fait ça. de ne plus faire le Comic Con, euh, ça en est là. Je pense qu'il y a une guerre ouverte pour l'instant. Voilà, euh, Il y a du pompage d'un voilà, du ouais, voilà. côté et un pompage de l'autre. Enfin, sais pas. C'est à voir, mais c'est vrai que des, des, des grosses conventions comme le Comic Con. De Dire qu'il y aura plus de stands d'ici, il y aura plus de, de panels, mais tout le Comic Con sera plein de personnes avec des cosplays. Il y aura des stands indépendants, donc vous inquiétez pas pour ce qui concerne tout ça. Ouais, il y aura peut-être un renouvellement du genre, du concept. De toute façon, tu, tu sais ce qu'on va faire, on va créer notre propre convention. Hein voilà. et puis, <laughs> on, on va s'arrêter là. Hein Toi, c'est ton boulot, t'organises. Moi, <laughs> moi, je finance, tu vois, et on y va. Hein, on fait notre propre convention. <laughs> euh, déjà, de toute façon, on, on est déjà pas loin hein, avec les événements qu'on commence à organiser. Ah, bah oui, 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 complètement. Ouais. On n'est pas loin. Donc voilà. En tout cas, les gens, hein, eh bien, merci d'avoir suivi ces chroniques euh, de Candor. Chronique les chroniques de Candor euh, sur les titans. On fera une chronique de Candor sur euh, la, la série donc euh, Superman et Louis. Qui est bientôt terminé aussi. Et, et certainement un live sur les séries CW, justement, où on va vous faire euh, participer. Euh, je sais que Seldon Harry, lui, il est au taquet, il les a toutes vues. Moi aussi, je les ai toutes vues. Euh, je n'ai pas vu toutes les saisons de toutes les séries, mais je les ai toutes vues. Euh, DC Legends, j'ai lâché. Super Girl, j'ai juste lâché. La... Il me manque une saison, ça, je peux la binge-watcher très rapidement. Euh, et après, après voilà, après j'ai tout vu. Et Stargirl que j'ai pas, j'ai pas accroché. Et après tout le reste, euh, Black Lightning, tout ça, tout ça j'ai vu. Ok les gens, allez. On se dit à bientôt. On a fait le temps d'un épisode. C'est très bien. Ça sera le format des chroniques de condor. 40-45 minutes. Et puis, merci David. La chaîne Ciné, n'hésitez pas à vous abonner. Et abonnez-vous aussi sur Geekology. Parce que vous pensiez que vous saviez, mais en fait, vous vous rendez compte que vous ne savez rien. Allez, bonsoir les amis. Ciao, ciao.